hier on a goûté, aujourd'hui on revient pour acheter. Voilà. Et on a déjeuné ici. Bah déjà, pouvoir montrer les choses aux enfants, parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on ne va pas forcément cuisiner de l'escargot ou tailler, graver un verre. Donc ça, c'est vrai que pour les enfants, c'est très intéressant. Et puis même pour nous, ça permet de s'ouvrir l'esprit tout simplement et d'attiser un petit peu la curiosité. Et puis déguster les bonnes choses de Sarrebourg et des hôteliers. Hein. Et voir un petit peu les autres artisans. Les artisans, ils font, ils se donnent beaucoup de mal et tout ça. Alors on vient un petit peu les soutenir. Je trouve ça bien. Parce qu'on peut déguster un petit peu partout, on peut s'asseoir partout et c'est bien. Ouais, parfait. C'est sympathique, ça fait une ambiance sympathique. Tout est bien conçu. Il y a de la place, c'est vivant, c'est accueillant, ça donne envie de goûter, c'est vraiment agréable. Ah voilà. Et on vient d'Alsace. D'Alsace. Oui. D'accord. Et quel est votre sentiment en général? C'est agréable. Dommage que le temps ne soit pas la partie, mais c'est agréable. Oui, on découvre beaucoup de choses. Oui, c'est intéressant. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Vous avez déjà fait un petit peu. Pas tout le tour, on commence. Hein, oui. Bon, c'est varié, c'est pas mal. Ouais. Et bon, on vient de Saverne alors. Donc, alors, comme quand il s'agit de gastronomie, ça marche pour les deux. Tranquille, on a dit on y va. Je suis originaire de Franche-Comté. Donc, Il y a des manifestations comme ça aussi en Franche-Comté ? Beaucoup moins, oui. Ah ouais ? Beaucoup moins. Et donc c'est intéressant ? Oui, c'est intéressant. Ben, moi j'adore tout ce qui est terroir, produits régionaux. Donc forcément je suis intéressé. Quoi. Et puis on se renseigne quand même beaucoup, hein, les nouveautés, on aime bien cuisiner, alors les nouveautés, pardon, on le fait, hein, on vient voir un petit peu. Hein. Voilà, après on essaye à la maison, mais c'est pas toujours évident à la maison. Hein.